Le chéri. Alors, qu'est-ce que t'as pour nous, mon copain? Je vois le roi des survivants. D'un survivant, moi, parce qu'on a déverrouillé une pièce de ravitaillement. Ouais, donc ça on l'a déjà mis, ça augmente de 3 secondes la durée de l'effet instinct du tueur. Survivant 5. 25% de mutation en frappant des survivants. Ouais. Portée détection des ondes de biomètre. On peut mettre ça, à la limite j'en ai 7. Ouais, c'est cool. On rentre dans le vif du sujet tranquillou. Énormément de chances de se retrouver aux côtés de Mike Maidan. Ok, sympa. C'est parti. On rentre dans le vif du sujet. On y va, on attaque, on va mettre des pruneaux. Ça va être marrant. Ça va partir, attention. Il est beau comme un camion. Petit joli toi. C'est très joli. Ok. Umbrella Corporation sera fier de toi. Y'a plus que les autres. Yona, Aramis, Porte, je sais pas quoi. Jer. Par contre lui il va me saouler, il a une lampe de poche. Et puis tu vois qu'il va me casser les couilles. Elle, elle a rien. Lui il a l'air d'avoir que dalle. Et elle pareil. Donc en fait il y aura juste lui là, Jake. Jerry pardon, qui va me casser les couilles. Donc à mon avis celui qui va falloir tartiner en premier ce sera lui. Ou en dernier ça va tout. En dernier il va être beaucoup plus chiant. On va voir comment on va se le farcir. Je sais pas du tout. On va voir comment il joue déjà. Parce qu'il a peut-être une lampe mais c'est pas dit qu'il me casse les couilles exprès tu vois. Là, on met pas tous les mêmes. Voilà on les met pas tous dans le même sac. Il y en a ils sont bons joueurs, assez fair play, etc. Nous allons voir, nous allons voir. Ok, ok. Ok, ok, ok. Go Mark Myra. Ok. Donc on est bien Mark Myra, ça fait plaisir. Wesh. Voilà, ce que je disais qu'il allait me casser les couilles lui. T'as eu de la chance, toi. Ouh, t'as eu du bol. T'as vraiment, vraiment, vraiment du bol. Ça va, il a l'air de jouer un peu plus fair play que les autres. Allez, on va te laisser mettre ta lampe de con. Merde, j'ai passé par où? Il est là-bas. En général, les mecs avec des lampes de poche, c'est des gros casse-couilles. Ça va, il a l'air d'être un peu plus fair-play quand même. Ah! Ça va tranquillou, ça va tranquillou. Et là, toi. Voilà, c'est bon, on l'a quand même eu, bordel. Viens là, Snoopy. Bon, ça sera une game d'échauffe assez complexe, mais ok, on gère. Bon, forcément, ils sont sortis au-dessus. Mal, hein.
tu vas te prendre un pruneau, mon pote. Et te ficher un pain. Gros. Ça va partir, attention. Salut chérie. Vous êtes deux en plus. Oh. Ici, grosse bouffe. C'est pas où le tuer. Ta gueule, toi. Ça sert à rien. Comment je m'en suis douté de ouf. Ouais. Oh bien joué. Tu voulais faire le malin avec ta lampe, au final t'es con. Très très con d'ailleurs. Allez hop, phase 2. Bonne nuit, on est tué. Oh putain, j'ai couillé là. Deux à terre. Désolé, c'était l'autre qui devait prendre à la base. Je te rassure, juste il y a une gonzesse qui est pas loin. Le pigeon qui me l'a dit, attention. Hein. Forcément qu'elle allait sortir l'autre. Ah merde alors.
Et voilà, ça fait boum. Ah bah du coup il a déjà pété, ça c'est cool. Adieu. Mesdames, où êtes-vous donc? Tiens, tiens. Ça va pas être éternel, ma grande. Putain. Et voilà. Boum. Allez. Bien là, non? Elle est là-bas. Tu vois le générateur jaune, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dessus là. En train de laisser crever sa pote pour rien, tu vois. Parce qu'elle va clamser aussi. Non? Ah bon? Apparemment non. Qu'est-ce qu'elle fait donc? Bon, il en reste plus qu'une. Il reste plus que deux générateurs, elle est toute seule, il y a la plaque. Bim. Et voilà. Éteint. Désolé dindon. Tu vas mourir. Et tous les autres générateurs ont pété. C'est beau. Sur la sèche, il y a moyen. Oh non. Ah.
Admirez, 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 mes amis, ce spectacle. Première game des chauffes, on l'a gagné. C'est beau. On a vraiment démonté donc le premier qu'on avait dit qu'on démonterait, donc Jerry, qui était Bill. Un casse-couille de première. On l'a démonté, il était assez fair-play, mais voilà. Ensuite, on a démonté les autres un par un, c'était pas mal. C'est cool. Après, disons que c'était pas très très malin. Ça fait plaisir. Ok, donc cette récompense. Encore des petits points comme ça, c'est beau. Et voilà, on les a éclatés. Voilà.